Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'été et on va faire le défi quotidien, celle où Ramiro pilote un avion, terminer l'expédition de Tulum. L'expédition de Tulum se trouve ici, le Festival Horizon Mexique se trouve là, vous allez tout à droite, tout à droite, tout à droite, vous passez au-dessus de l'autoroute et juste ici, vous avez l'expédition de Tulum. Si elle n'apparaît pas sur votre carte, c'est que vous devez continuer à jouer au mode solo de Forza Horizon 5. Tout se débloque petit à petit en avançant dans le jeu. On y va. On s'inscrit. On fait solo. À ton avis, je connais le coin idéal pour agrandir le festival, mais ça va nous emmener au cœur de la jungle. Tu me fais confiance? Bien sûr! Mais pourquoi tu me demandes si... Alors suis cette route! Je te guiderai depuis le ciel! Espérons que la météo ne change pas! Est-ce que c'est moi? Ou ce ciel est magnifique? Teotihuacan. J'ai peur qu'on arrive un peu tard pour ce festival. Son nom signifie l'endroit qui mène aux dieux. On tourne à gauche ici. On dirait qu'on a attiré l'attention du dieu du tonnerre. Ramiro, t'es sûr qu'on fait bien de foncer tête baissée dans la tempête? Rien à craindre de quelques gouttes. Les Mayas savaient bien. Pour eux, Jack frappait les nuages avec sa hache de foudre pour faire tomber la pluie. Hey, ça se passe bien là-haut? Sans problème, je contrôle parfaitement la situation. Bon, peut-être pas tant que ça. Tu sais quoi? Je me vois pas traverser cet orage. Horizon Bravo 9, je vais me poser dans la jungle. Atterrissage réussi. Ramiro, ça va? Nickel. Un atterrissage dont tout le monde réchappe est un atterrissage réussi. Je me suis posé près d'un temple englouti. J'envoie une fusée. Personne n'est venu ici depuis un moment. Regarde, même le site de fouille est à l'abandon. Une expédition vers une cité perdue. Redécouverte par toi, Ramiro Luis Miron et le Festival Horizon. Ramiro, je vais faire un tour dans les environs et chercher un endroit où placer l'émetteur. Désolé d'interrompre ton cours d'histoire mésoaméricaine, mais tu peux venir me chercher quand c'est bon pour toi. Alors vous n'êtes pas obligé de faire les 5 distinctions bonus, vous pouvez directement aller chercher Ramiro si vous savez où il est. Un truc ici. Je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal pour placer l'émetteur d'Horizon Pulse. Émetteur en place et activé. Vous avez un truc là. Maintenant, au moins, quelqu'un sait où on est. C'est magnifique, non? C'est en haut. Les gens de toute la région devaient venir à ce temple. Sauf qu'ils y allaient en marchant. Ah, je suis tombé, c'est malin, je rembobinais. Voilà, vous avez ce point là. Vous avez encore un point là-bas, ici. Même deux, on va d'abord faire celui-ci. Vous prenez la statue en photo.
Photographier la statue en or, photo challenge. Vous quittez le menu photo. Il reste encore un point ici. Ça, c'est peut-être Ramiro, remarqué. Bon, ça, c'est peut-être l'endroit où atterrit Romero, truc. Ça, c'est pour quitter, il faut pas quitter. Maintenant, il reste encore la dernière photo à faire. Allez, on va la chercher. Je savais pas que je l'avais pas fait, tiens. Voilà, la dernière photo est ici. La statue Jade. Hop, on fait la photo et on pourra quitter. Et voilà la photo. Et maintenant, on va là où était Ramiro. Hein. Je crois que j'ai trouvé une des statues. Elle est très puissante. Tu veux bien prendre une photo? Maintenant, il suffit de suivre le chemin pour sortir. Voici l'avion et notre porte de sortie. Oups, c'est pas par là. Par là. On quitte. Ah, te voilà, tu m'as retrouvé. Allez, continuons vers la côte. Les orages sont violents, mais les anciens peuples de cette région connaissaient les bienfaits de la pluie. Non, ça va. J'ai juste pas envie que ce soit la prochaine expédition archéologique qui nous retrouve. Ouais. Cet endroit est bien plus joli sans nous dans le décor. En avant! Certaines des routes seront peut-être impraticables. Je te guiderai. Je dirais qu'il n'y a qu'une façon d'arriver sur la côte. En traversant l'orage. Tu peux y arriver, t'inquiète pas. Je te fais confiance. C'est ça, allez! C'est pas un petit orage qui va nous arrêter. On n'a peur de rien! Bravo! Il va falloir couper à travers les marais. Prends à droite. J'espère que t'aimes la boue. Je vois pas ce que je fais là, sinon. Allez! Magnifique maintenant. Et voilà, vous venez de finir votre défi quotidien. Ici, je crois que ce serait l'emplacement idéal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.